amis. Nos priorités n'ont pas varié. Il s'agit avant tout, pour nous, de préserver l'unité nationale, de restaurer la cohésion sociale, de rétablir la paix et la sécurité sur tout le territoire du Mali et d'avancer dans l'œuvre de reconstruction d'entreprise. À cet égard, il me semble indispensable de souligner, une fois de plus, l'importance que revêt pour nous, pour notre pays, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Le lieu, encore une fois, de saluer le frère algérien et notre aîné, le président Kabila, pour la domiciliation en Alger de nous parler dans des conditions de convivialité et d'amitié réelle, où jamais nous n'avons senti que le monde de pays la moindre déconstruction. Merci à tous. Multidisciplinaire, la force africaine en attente agit sous la direction de l'Union africaine et est déployée en Afrique en temps de crise. La devise de ce bataillon est l'honneur, discipline, courage. Oh! Faut pas se mettre devant les gens. Le détachement mauritanien qui est commandé par le commandant Mohamed Saleh Berwi, suivi du drapeau et de sa garde. Ce détachement est issu du 2e bataillon commando positionné au nord de Nouadhou. Sa création remonte à 2 décennies. Les hommes de ce bataillon ont toujours fait preuve d'abnégation face au danger et ont sans cesse assumé leur mission sans esprit de recul. Ça fait 6 ans qu'on n'a pas fait des défilés parce que il y a eu beaucoup de difficultés. Alors ça a plongé le Mali dans des problèmes interminables et on voit quand même ça s'améliore. Donc mais le défilé grandiose parce que le président a été élu avec succès. Donc vraiment on doit manifester. On ne doit pas rester toujours dans la misère ou bien vraiment dire « Ah, j'ai tel ou tel problème, c'est pourquoi je ne dois pas me réjouir. Bon, » quand...